Alhamdulillah, en réalité tout mérite, tout arrive, tout élose, tout grandit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi bi ni'matihi wa bi fadlihi tadimu s-salihat. Li Allah, li celui qui pour sa faveur, pour sa grâce, ma bonne œuvre, ma bonne action y accomplir. الحمد لله الذي خلقنا ولم يخلق البشر عبثا. Grandir pour Allah, celui qui fait créer nous et celui qui va faire créer l'humain sans raison. وجعل المصير إليه et lui fait décrire qui la destination finale pour l'humain. فيحاسبنا et alors il vous prend compte avec nous. Faqad qala Allah ta'ala, en réalité Allah fait dire dans le Coran al-Majid, dans le Coran qui est rempli avec gloire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Alors est-ce qu'ils ont fait penser qui nous fait créer sans raison et qui veut que nous ne sommes pas retournés. Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq. Alors Allah, le vrai roi, est très loin avec sa qualité de travail. En deux mots, crée-nous sans raison un travail futile qui n'a aucune valeur. Pour un créateur comme Allah le vrai roi. Non, bonne frère, bonne sœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous une humaine. Allah il donne nous un raisonnement et il donne nous une compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il établit sa manifestation évidente devant nos lisiers et à la portée de nos oreilles. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne raison pour remplir l'enfer avec man qui pas raisonné. Allah lui condamne man qui est dans les lisiers, ne s'est pas trouvé, man qui est dans les oreilles, ne s'est pas écouté, et man qui est dans les lisiers, ne s'est pas compris. Allah lui manifeste dans tout qu'il chose, dans tout événement, dans toutes circonstances. Allah manifeste et lui explique sa manifestation en détail. Et tout qu'il chose nous vient expliquer clairement dans sa Coran. Allah manifeste sa capacité, lui manifeste son autorité, lui manifeste son assistance dans tout ce qu'il crée, dans un événement qu'il crée, dans une circonstance qu'il lui provoque. Et à l'un de nous, les yeux pour nous trouver, les oreilles pour nous écouter, les guerres pour nous contempler, pour nous comprendre. Et Allah lui pour une raison, mon frère, mon sœur, si les fait médiman de nous les guerres, si les fait faire nous confiance pour s'envoyer, responsabilité de l'identité, ou à sa main, comme le musulman, c'est lui qui fait faire les autres, les musulmans, il fait appeler les autres, pour nous soumis. Qui soumis à sa volonté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Si l'infalouvin appartenant à meilleure ummatin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on aurait dit le rappel, les bénéficiaires pour ban qui n'a iman, Allah finit créer iman dans le liquide. Oula ida kadaba fi kulubihimul iman. Chapitre 22, verset 58. Non, chapitre 58, verset 22. Chapitre 58, verset 22. Oula ida kadaba fi kulubihimul iman.
Ça va dans l'écrit. Iman dans ce l'IKEA. L'IKEA, c'est plateforme de la compréhension. L'IKEA, c'est moyen pour comprendre. Dans sa l'IKEA-là, Allah il écrit à l'Iman. Rouassamman comme le muslimin. Chapitre 22, verset 78. Chapitre 3, verset numéro 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. C'est vous-même meilleur ummah. Qui Allah il retiré pour l'humanité tout entière. Donc nous avons une identité, nous avons une appartenance et nous avons une croyance. Lola Allah manifesté sa qudrat, sa capacité. Les manifester, sa manifestation, les mettre évident dans toute création. Dans toutes circonstances et dans tout ben, événement qu'il provoque, qu'il crée. Avec sa liquide iman, avec sa statue musulman, avec sa appartenance à Khayra Umma, nous besoin capables de trouver la vérité de la manifestation d'Allah et l'assistance à Allah évidente. Et une fois raisonné, compris et conscient de la manifestation et l'assistance d'Allah, le remerciement, l'expression de la gratitude, living obligatoire. Et c'est là que l'expression du remerciement de la gratitude gagne sa validité conceptuelle. Il gagne sa valeur humaine et il gagne un poids dans Allah sous considération. Voilà, in shakartum la azid lakum. Chapitre 14, verset 7. Wa id ta'adana rabbukum. Rappelle les temps autres avis décrétés. Voilà, in shakartum la azid en la com si vous remerciez moi, vous augmentez mon faveur. Et si vous révélez, quand Allah manifeste, quand Allah donne son assistance, et Allah rend évident sa capacité, son contrôle, sa supervision, sa suprématie, quand Allah manifeste. Et il rend évident sur l'autorité suprême, sur capacité irrésistible, sur l'assistance indéfectible, quand Allah manifeste et il rend évident dans les guerres, les vers à les guerres l'a trouvé, alors là, si on n'a pas remercié, Allah pour vous en colère. Voilà, in kafartum, inna azabi la shadid. Si vous révélez, donc mon punition est très dure. Mais si vous remerciez, par raisonnement, compréhension et l'état de conscience, vous remerciez avec satisfaction, avec la soumission totale, vous remerciez avec reconnaissance profonde, avec la piété profonde, quand vous remerciez, alors Allah beaucoup satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala augmente sa faveur. Bonne frère, bonne sœur, sans Allah, qui nous capable faire? Mais avec Allah, qui nous gagne droit faire? Sans Allah, qui nous capable faire? Nous l'existence, les conditionnellement, attaché avec Allah. Nous la vie en général, les conditionnellement attachés avec Allah. Nous d'aller, nous demain. Wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada. Allah, lui connaît, mais où on n'a pas connu. Ou d'aller ou demain, on n'a pas connu, aucune âme pas connu qui peut arriver demain. Ou peut-être vous pouvez être content pour vivre demain après demain. Asa an tuhibbu shay'an
وهو شر لكم. Peut-être vous pouvez contre une petite chose qui s'allie pas bon pour ou à ça un tapre au chéan, et peut-être vous pouvez dégoûter une petite chose ou à chayrul lakum, ça même qui me lia pour vous. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah li li connaît ou n'a pas connu. Jusqu'à qui point qui Allah connaît, jusqu'à qui l'étendard qui Allah connaît, subhanallah. Allah plus connu que vous-même. Allahu a'lamu bi a'da'ikum. Allah plus connu que l'ennemi qui vous-même. Allah plus connu que vous-même. Dans chapitre 53, verset 32. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ard. Allah plus connu que vous-même alors qu'il s'y rasou depuis la poussière, la terre. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ألوكي أتيبان فويتشيس دون فانت أماما الله بيكون أوكي أمم أمم شكي أعام بمي أميري على الانتيجير بيتك أو با كونسيان مي الله ولا بل خلقنا الإنسان شابت 50 verset numéro 16 نفين كري أمم ونعلم ونعلم ما توسوس به نفسه نو كوني كي سو أعام بإسبيالي بسوفلي دان لي. Allah plie comme vous qui vous-même, les temps vous pouvez causer en secret, ou avec deux personnes, ou avec quatre personnes. Alam tara anna Allah la ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Est-ce qu'il ne pas conscient, ne pas rendre-toi conscient, qu'Allah connaît tout ce qui est dans la terre, chapitre 58, verset 7, 8, 9. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Il n'y a aucun secret qui peut dérouler en trois, excepté qu'il y a la quatrième. Voilà, Khamsatin, Pena 5. Et là, vous avez ça, Dizouhoum, excepté qu'il y a là avec son connaissance, son capacité d'entendre, son capacité de voir, d'être renseigné, d'être présent, de témoigner, Allah les sixièmes. Voilà, Adana Mindalika, Pena plus moins que ça. Peut-être une personne peut parler avec lui-même, ou bien un million de personnes peut faire. D'avoir Allah lui présent avec chacun. Pour son capacité, lui connaît l'intention de tout un chacun. Voilà, Akhtara Mindali, Pena plus qu'il s'en compte. Illahu wa ma'akum aina ma kanu, excepté qu'Allah ensemble avec eux. Thumma yunabbi'uhum bima fayunabbi'uhum yawm al-qiyamati bima amilu. Allah pour informer eux sur le qiyamah tout ça qu'ils ont dit, ça qu'ils ont fait, ça qu'ils ont fait dans l'intention. Allah plus connu vous qui vous-même. Parce qu'Allah connaît dans où les cœurs, qui où les cœurs contenir. Voici le Kaulakum, chapitre 67, verset 14, 15. Fais en secret ou un dialogue ou un discours. Innahu alimum bidati sudur. Allah y a une connaissance de ça qui les cœurs contenir. Avant l'action, Allah même piété. Pendant l'action, Allah aidait, et résultat de l'action, Allah même pour aider. Voilà, fais-nous comprendre concernant toi, et fais-nous comprendre concernant nous, faiblesse nos natures, grandeur de nos capacités. Sans toute intervention, nous n'avons pas pour atteindre le but qui doit attendre de nous. Nous besoin, et c'est toi qui crée nous dans le besoin. Nous besoin toi dans toutes affaires, et toi tu n'as pas besoin nous dans une affaire. Même quand nous faisons ton hamd, quand nous faisons de subhan, de hamd, quand nous faisons de ruku, de sijda, ça n'a pas augmenté, non, ni dans ton mérite, dans ton capacité, dans ton bon attribut.
tout déjà indépendant. C'est nous qui dépendons de toi. Et c'est nous qui besoin de toi. Sans toi, nous n'avons pas pour capable. Ô toi qui écoutes ma prière, fais-nous ma prière une véridique à toi. Fais-nous ma prière une sincère pour toi. Fais-nous ma prière une reconnaissante à tes faveurs et à ton assistance. Ô toi propriétaire de l'esprit, fais-nous l'esprit résonner l'autocourant qui t'a révélé. Alors qu'il te tient dans chapitre 12, verset numéro 2. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. En réalité, nous finissons disant, ce Coran-là d'un langage arabe clair, afin qu'ils soient capables de servir ce raisonnement. Oh Allah, sans de l'assistance, sans de guidance, sans de purification, qui manière nous pour servir nous l'esprit avec ton Coran? Nous lui demandons dans sa lien-là, par ta divinité, par ta volonté, permette-nous l'esprit d'être purifié après raisonnement, l'eau, la lumière qui te révélée, et stabilise un raisonnement positif dans nous l'esprit, faire les coules comme une conviction, faire les coules comme une compréhension qui te fait à nous l'équerre accepter pour soumettre. Nous l'esprit accepté pour soumettre et nos âmes acceptées pour soumettre à ta volonté, car c'est seulement ta divinité qui est en activité dans toute la réalité. Malgré ton gré nous fait, renforcer nos faiblesses pour nous trouver dans la réalité, la seule vérité, ta divinité qui est en activité. Voilà, fais-nous soumettre. Fais-nous soumettre, Yarab, de bien demander, Allah nous peut demander et nous prend toi comme témoin. Et que ton ange nous peut dire, dis à nos rabes qui nous peut rouler de faire nos systèmes soumettre à sa volonté. Nous peut rouler agir comme un vrai acte devant nos rabes et nous peut rouler réellement soumettre totalement à sa volonté. Jusqu'à l'air, Yarab, nous demande toi, Allahumma ja'alna laka dakkara, wa ja'alna laka shakkara, wa la manoubine, man qui tout le temps pense toi, man qui tout le temps remercie toi, wa ja'alna min al mukhlasin, et ça nous vient parmi man qui toi te donne cette sincérité, car Shaytan indire, la ouwiyat, bi aizatika, par ton izzat, par ton puissance, la ouwiyannahum ajma'in, me pour empêcher ce tout, illa ibadaka, min humul mukhlasin, excepté ton serviteur, qui dans ton ibada, parmi lesquels toi te donne cette sincérité. Allahumma, oh Allah, malana khayruk, qui s'amna qui nous est là par toi, nas'aluhu fayasma, nous demandons et nous tendons. Wayujib, et il répond, Ya Mujib, Ya Samir, ô toi qui t'entoure, ô toi qui réponds par toi, Ijalna laka, fais-nous vin pour toi, Dakara, wa Shukara, wa minal mukhlasin, ban qui tout le temps pense toi, tout le temps remercie toi, et tout le temps, toi te donne-nous la sincérité pour nous conscients et pour nous. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mon frère, mon sœur, voilà le résultat. Voilà le résultat et judiciaire. Qui me suis fini comme une écho avec une confiance totale au Allah. Si possible, si possible, pour l'autorité de toi, qui n'a pas établi ce jugement d'après ce qu'Allah a révélé, si l'autorité doit être possible pour les récits condamne-nous dans un cas, dans un cas seulement, il aurait fallu que leur divinité soit supérieure à la divinité de Dieu l'unique.
Et c'est Allah qui crée l'événement des 116. C'est Allah qui entraîne Kesla jusqu'à hier. Et voilà, verdict. Ce qu'Allah a pu dire. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. À Allah appartenir toute l'affaire avant, pendant et après. Allah qui crée les circonstances et Allah qui crée l'événement. Allah opéré dans les circonstances, dans l'événement. Mon Dieu, vous avez des affaires, peut-être qu'il vous parle, vous suivre, pas vous comprendre. Retourne dans tout nouveau Juma, retourne dans toute nouvelle explication et me demande Allah qui Allah fait sa lumière apparaître. Allah propriétaire de la terre, les propriétaires des ciels, les propriétaires humains, les propriétaires de l'oxygène, les propriétaires de l'étang. Il y a un temps, des temps, une minute, une seconde. Allah propriétaire l'existence. Et pas possible qu'il dans l'existence, quand il y a un propriétaire qui est vivant et éternel, qui est opérationnel par sa divinité, par sa volonté, et le quelqu'un agit selon sa volonté. Impossible pour une créature, sa volonté passe là où volonté créateur. Le créateur, c'est lui, créateur des cieux et de la terre, créateur des humains, des arbres, des oiseaux, des poissons, des océans, créateur des circonstances, créateur des événements, et à travers les événements, Allah met une créature qui lui met l'imam dans cette guerre, l'une faisait une musulman, l'une faisait une ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à travers les événements, Allah manifesté sa capacité, Allah manifesté sa poudre, sa assistance, pour lui mettre à l'épreuve le croyant, le ummah de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et le musulman, pour Allah mettre-lui en évidence, mettre-lui en épreuve, et Allah guette son comportement, comment il compose. Pour moi, pour où? Pour Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour Moussa alayhi salam, pour Isa alayhi salam, pour le premier ministre, pour le président, pour tout un chacun, à Allah appartenir l'affaire avant, pendant et après. Pas un premier ministre, ni l'Amérique, ni la Russie, ni l'ONU, qui se volonté pour primer dans propriété de Dieu. C'est seulement la volonté d'Allah qui primait partout, même Iblis organisé avec tout cela, mais Iblis c'est le grand Satan, il organisé avec tout cela, mais là aussi c'est pas sa volonté qui vous prévaloir. Laïsa la ta'alayhim bisulfan, tu n'as pas prenant l'autorité, l'oseut Allah dire. Allah subhanahu wa ta'ala dire, dans chapitre 2, verset numéro 102, chapitre 2, verset numéro 102, « وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Et Iblis n'a pas pour capable de faire un dito à celui qui lui voulait accepter par permission Allah. Comme ça même, Rabboul Alamin dit, dans chapitre 58, verset numéro 10, chapitre 58, verset numéro 10, Rabbul Alamin dit, Innama an-najwa min ash-shaytan. Ma conversation secrète, li vin depuis shaytan. Li yahzuna alladhina amanu. Pour lui mettre pankina, il est causé en secret, dans un bureau, dans un ministère, dans caserne centrale, ou bien il rata. Allah li pli contre l'ennemi qui vous. Là-bas, Allah ensemble avec eux, Allah ensemble avec vous, ensemble avec eux dans un bureau, que vous avez fait un complot, il n'y a pas même un complot dans la case, quelqu'un, n'importe quoi que vous aidez, Allah ensemble avec eux, wa makarou makrahoum, surat 14, ayat numéro 46-47, wa makarou makrahoum, va même faire ce plan, ce complot, wa indallahi makrahoum,
comblons-la devant les yeux d'Allah. Même qui le complot dans Oulisier, où vous trouvez qu'Arabe avance une grande montagne. Voilà, tahsabanallah ghafilan. Ou pas qu'un droit penser qu'il y a Allah dans raflat, Allah dans la négligence. Non! Si vraiment vous pouvez faire confiance à Allah. Si vraiment vous pouvez faire confiance à Allah. N'importe qui s'en a qu'une comploté contre vous, n'importe qui s'en a qu'une comploté contre vous, ou n'a pas créateur en la grandissable, ou n'a pas créateur en les élmous, si dans valeur en la grandissable, ou pas vous capable de donner un raisonnement, parce qu'il pas où son créateur, ou pas propriété en la grandissable, en les élmous, si dans valeur en la grandissable, en les élmous, ou n'a pas en position pour donner un jugement, alors faire ce qu'il y a à l'indire, fasse fâcher Safhal Jamil. Pardonne surtout un joli pardon qui fait l'air jugement là, pébini. L'air jugement là, a pébini. Au contraire, montrer largesse, iman, islam, sa beauté, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur l'enseignement, et dire, et Goulfi, nous peut pardonner toi. Nous peut dire Allah doit pour toi le minbar avec les cœurs ouverts. Nous peut dire Allah doit pour toi, qui Allah pardonne toi, demain tu es capable d'être un meilleur soldat pour la vérité. Aide Allah et l'assistance Allah lui un mestre, une obligation loi Allah. Si on comprend qu'Allah tout seul qui est capable de nous nasra. Si on comprend, et vous demandez Allah, Ya man qulta ala lisani nabiyika, ô toi qui me tire l'eau la langue de ton prophète. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fa anta al-mufaqih. C'est lui qui Allah fait nous les dit bien pour lui, alors Allah fait les comprendre. Donc c'est toi qui fais comprendre. Allah ummat tu rasoul, si tu comptes en Muhammad, tu comptes en nous pour vivre dans ce ummat, faqihna fi dinika, fais-nous les faire comprendre dans ton dit. Allah fait nous les faire comprendre. Fais-nous les faire soumettre. Fais-nous vivre l'autofréquence et n'a pas nos fréquences shaitan qui voulait. Amène-nous dans l'enfer ensemble avec lui. N'importe qui s'en a qui me fait mentito, n'importe qui s'en a qui me cause moi derrière les dos, n'importe qui s'en a qui me cause mal pour moi, mon n'a pas atteint qui se vienne avec moi pour dire moi, bah c'est l'esquisme. Allah témoin, mon père demande Allah, ferme les guerres, mon esprit, mon âme, pardonne tout pour te cause, pour te plaisir, insaf, c'est toi qui fais. Alayhi Allahu bi ahkamil hakimin. Est-ce qu'Allah n'est pas plus grand juge de tout bon juge? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui n'a pas? Vous connaissez pas de frère, vous avez un tribunal sûr. Nous irons dans le tribunal supérieur de Dieu. Est-ce que Dieu a témoigné l'action des anciens ou non? Est-ce que Dieu a témoigné? Nous irons dans un tribunal où le magistrat, le juge de ce tribunal est un témoin oculaire. Ce juge qui s'appelle Allah, il est un juge qui a vécu l'événement Khorasan. Il a vécu l'événement des braquages, vécu l'événement des sans-cesse. Et dans ce tribunal, les mains vont parler, les pieds vont parler, les cœurs seront retirés en dehors et les cœurs vont parler. Sa bonté-là, l'intémoigner, l'introuver. Toi qui tu étais toi, pour te prendre la justice dans de la main et te retiser
te donne un tel don, un tel don, un tel don. Allah connaît qui fait l'incréer l'événement, l'intémoigne tout, l'icône tout. D'ailleurs, il faut y avoir autant de témoignages qui lui font amener. Si à ce titre, pardonne les autres, c'est au tribunal, Allah pour pardonner toi, mais il faut faire la vérité pareil. Quand tu pries content de la justice, toi, l'eau la terre ou bien là-bas, même l'eau la terre, Allah n'a pas pour l'espoir tomber. Qui arrive sa communauté là, une parole n'est pas capable de comprendre. Lien, responsabilité à Allah, l'ingrédient doit faire. Il besoin de toi l'assistance. Mais quand toi te donnes lui, quand toi te donnes lui, la légitimité, si tu mets dans sa place, toi qui peux créer les élmous, toi qui peux créer la grandissable, tu mets toi dans place bon Dieu pour te ziser qui goulfie en dos, ou bien même en dos, ou bien travaille, ou bien gouvernement en dos, jamais tu ne vas mettre toi dans place Allah. Allah crée une circonstance pour mettre toi à l'épreuve, pour libérer toi. Est-ce qu'il te donne l'ancien légué, l'ancien iman, islam, avec Ummat et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour te retourner tous affaires à Allah. Si vous-même te veux dire, tu es un iman dans Allah, avec ton tribunal Allah, écoute Allah qui dit, dans le chapitre 40, verset numéro 51, « Inna lanansuru rusulana » Inna, en vérité, nous, la Nansuru Rusulana, nous vous donne nous Nasra, Nasra. Voilà l'explication qui ce soir nous parle en détail. An-Nasra, An-Nasra, Nasra. Le mot Nasra, où sont-ils là, où aller, ou cause mot là. Waman Nasra. Qu'est-ce que ça Nasra? Nasrullah, il a déjà un Nasrullah. Wal-Fat, quand Allah son Nasra vini et te vaut la victoire, il a déjà un Nasrullah et Wal-Fat. Quand Allah son Nasra lui vini, Nasrullah, Wal-Fat, et te vaut la victoire. Quand Nasra, Waman Nasra, qu'est-ce que ça Nasra? Allah dit, Inna la Nansuru, Rusulana, nous vous donnons Nasra, nous vannes messager. Walladina amanu. Et aussi Bankena Iman. Pas seulement nos messagers, mais aussi Bankena Iman. Comme ça, dans Akhirat, non. Fil Hayati. Inna la lansur rusulana walladina amanu fil Hayati dunya. A prochain, quitte à la langue commencée. La hum kouloubun, la yafkabouna biha. Je dis dans les guerres, je ne pas comprendre pas ça les guerres. Qui? Est-ce que moi, vous dictez Allah, pendant mes 23 caisses au mois dans vos raïsas, la moitié caisse aussi patiné, je te mets 4-5 caisses au braquage au mois, ça aussi patiné, je te mets 216 au mois, ça aussi patiné, est-ce que moi, vous avez un plime qui écrit avant Allah, ou bien Allah, il finit écrire 50 000 bananes avant? Est-ce que moi, qui écrit à ce qui magistrat, il dit, mais. Qu'est-ce dismiss? Moi qui n'écris ça, magistrale chinoise. Il n'y a pas qu'un dialogue avec moi. L'autre côté, c'est Isdoma, qui dit à peine aucun caisse pour toi. Allez. Tout ça va dire mon là. Moi qui écris, ou bien, c'est qui Allah me dit. Inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya. Dans la vie sa dunya là, nous vous donnons Nasra. Nasra. Rendez-vous ce soir, moi vous explique. An Nasra. An Nasru. Al-Nasra. Et là, ce qu'il m'a dit, dans Surah 3, Surah 3, ayat numéro 160. Surah 3, ayat numéro 160. Iyan surukum, fala ghalibalakum. Si Allah de nous sur Nasra, on a peiné un adversaire. Jamais personne ne va vous gagner. Iyan surukum Allah. Iyan surukum Allah. Fala ghalibalakum. Si Allah te nous ce Nasra, jamais personne ne va vous gagner. Ou jamais. Surah 3, ayat numéro 160. Wa in yakhdhulukum. Et si Allah quitte où en bas là, si Allah quitte où, il va de nous ce Nasra. Faman dhal ladhi yansurukum min dunillah min ba'di. Qui s'anna vous donne ou Nasra après Allah. Si Allah n'a pas donné son Nasra, s'il donne son Nasra, peine à percer ou peut gagner. Mais si Allah n'a pas donné son Nasra,
Après Allah, qui s'en a pour le nôtre. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون et لو الله met ou dépendance totale لو الله met ou dépendance totale tout bonne conscience bon raisonnement bonne l'équerre qui peut suivre mon intervention aujourd'hui tout bonne conscience, bonne l'équerre, vivant, qui peut suivre vos interventions, intégrer dans vos invocations, ensemble, vous dites avec Allah, Yaman Amartana Bidouaïk, au toi qui commande nous pour demande-toi, Ij'alna minalladina yatawakkaluna alayka tawakkulan kamila, fais-nous une bonne qui est à rire, indépendance totale au toi. ومن يتوكل على الله فهو حسبه et celui qui établit l'indépendance de Allah, Allah suffit pour lui. اللهم انصرنا اللهم انصرنا هو اللعين ولدن تنصر اللهم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم الدين يفرح المؤمنون بنصر الله et quand Allah sera fini quand Allah son assistance finit vous pourrez réellement heureux mais seulement comment vous célébrer la victoire faites des efforts quoi moi que vous avez nous gagnons une grande victoire dans Gouraïsa follow Allah quand on ne veut pas dire nous gagnons Allah il gagne une grande victoire et nous nous la poussons dans Gouraïsak, dans Case Brakaz, hier dans Résultat Lacour, dans Case 216, Alhamdulillah. Et Mopé, comme un responsable, Mopé commande ce tout, ce qui Allah a commandé. Mopé incite ce tout, ce qui Allah a incité. Mopé conseille ce tout, ce qui Allah a dit. Il a déjà un masque de mort, il va le faire. Quand il a la vie, et la victoire vini, voilà, il a un nain, il y a trop long à faire dîner là. Ben, les autres non-musulmans, je t'appelle téléphoner, je peux te dire non, non, non. Et tu es un homme de Dieu, et tu invites vers la vérité. C'est pourquoi le Créateur est toujours à tes côtés. Ça, c'est les non-musulmans qui parlent ainsi. Et c'est la victoire de ce mouvement, cette mission. La victoire de Dieu sur les consciences. C'est pourquoi, fais subhanallah, alhamdulillah, wastaghfirhu, et demande Allah pardon, innahu kana tawwaba, Allah est un grand pardonneur. Mon frère, ça c'est l'instruction pour aller. Et au besoin d'Asie, parce qu'il est l'imam, l'osa pour Allah. Et aujourd'hui, au besoin réellement content, mais fais subhanallah, alhamdulillah, et fais istighfar. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الذي يدرس الاسيستانس rendez-vous ce soir pour expliquer le النصر النصر ومن نصر الا من عند الله ou pas pour un nasr excepté de la part d'Allah et molé et vous demande Allah ou Allah fait sa rentre dans nos systèmes de fonctionnement et fait nous fonctionner d'après toi ta fréquence أقول قولي هذا سيساسي كمتنا قدعو أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم دمان الله بادو الله ينقى بادونيا إلي بكو كنت أشبان سيد اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله مكونسي بنوفيب دون تقوى الله اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بن فرير نبي كريم صلى الله عليه وسلم إن كمان سوء
avertit et il donne conseil sur Ummat de dire Qul aslam tu thumastaqim. Dire que vous soumettre à Allah. Au fait, tout ça fait appartenir à Allah. Allah dit avant, pendant et après. Allah qui contrôle tout affaire. N'en est pas arrivé sans Allah sa volonté, sans Allah sa divinité. Nous ne pouvons pas comprendre, malgré nous ne pouvons pas comprendre, Allah encore compte en nous. Allah peut ouler qui nous demande. Allahumma ja'alna min al-muslimin. Ou Allah fait nous bien parmi les gens qui soumettent à ta volonté. Fais-nous unifier la soumission d'avoir fana à l'islam, donne-nous l'amour de l'islam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين والأمهات المؤمنات الطاهرات ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم بك آمنا بإذنك وعليك توكلنا بإذنك اللهم ارحمنا وأنت بالمؤمنين رحيم واهد عقولنا وقلوبنا ونفوسنا إلى التوكل عليك توكلا كاملا اللهم لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا من خلقتنا من الضعفاء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأمة الإسلام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.